Daf Yud Alef, on est Daf Yud Alef Amoud Alef, à 7e ligne, aux deux points. Upene Shamu a komet sachaser wa yeter pasoul. Donc la Mishnah nous dit que si tu as pris dans ta main, dans ta kmitza, tu as pris une poignée avec, dans laquelle est contenu aussi un gravier, une pierre, un morceau de sel ou la levona, alors c'est pasoul. Pourquoi? Parce que finalement ta kmitza elle est chasera. Il manque de la quantité. Maïri et Meshub chaser, Gemara demande. Pourquoi tu me parles qu'il manque de la quantité veilletaire ou alors il y en a trop? C'est pas que les méchoum khatsitsa. Allez, finalement, si tu as un gravier dans la main, donc tu n'es pas en contact avec la mincha, là où il y a le gravier, tu touches le gravier. Là où il y a la levona, tu touches la levona. Donc il y a une khatsitsa. Azov khaser yeter. Khatsitsa. C'est là au milieu. Marabirmia minatsad. Et Rashi dit ou Adin au milieu. C'est-à-dire que si Bémet c'est au milieu et qu'il n'y a pas de khatsitsa, il y aura. Tu n'as pas de khatsita entre toi et la mincha, ouais. Mais néanmoins, et c'est chasser. Ou alors la Gemara, c'est ce qu'elle dit, minatsa, ça veut dire que c'est soit à cette extrémité, soit à celle-ci. Donc on va voir que la mincha, la poignée, c'était une poignée avec les doigts, pas comme ça. Les doigts qui sont refermés sur la pomme. Et enfin, je sais pas, oui, la pomme. Ouais, ouais. Et donc si ici, ou ici, il y a un gravier, il n'y a pas de khatsita. Amarle, Abaye le Rava. Ketsad komtsin. Bon, c'est bien. C'est chaud. Dafka, on est dans Menachot. On n'a pas attendu longtemps avant de savoir comment on fait la kmita. D'habitude, à la fin de la maserhet, on attaque le sujet. Là, c'est bon, on est yudalet. Alors, comment on fait cette kmita? Amarle, kede kamtsinche. Exactement comme les gens font quand ils veulent. Quand tu es à la plage, tu veux prendre du sable, tu fais comme ça. Là, c'est pareil, kede kamtsinche. Donc, je ne sais pas si vous avez des dessins. Vous avez les dessins sur dans votre Gemara? Je me rappelle que les Gemarot d'avant, ils avaient mis des dessins à la fin. Il n'y a pas? Il n'y a pas, il n'y a pas, il n'y a pas. Non, il n'y a pas toujours. Oh, pareil, hein. C'est comme ça, lui. Non, pas du tout. Tu vois, c'est pas du tout. Il y a une sourate. Non, vous ne l'avez pas, les dessins. Je vois bien que vous ne l'avez pas. C'était dans les autres éditions. L'homme chané. En tout cas, Kedekam Tsinche, c'est d'une manière ragui. Et t'y vais. Mais ça veut dire quoi, surtout? Oublions, parce que ça, on va en parler aussi de la manière dont je prends la farine, mais surtout, Kedekam Tsinche, c'est quand tu prends une poignée de sable, et là, en l'occurrence, on parle d'une poignée de farine, tu le prends avec toutes tes mains, avec toute ta main, et tous tes doigts. Or, et t'y vais. Zo Zeret, le petit doigt, c'est le Zeret. Zo Kmitsa, je ne sais pas comment il s'appelle celui-là, mais ça s'appelle le doigt qu'on appelle la kmitza. Pourquoi? Parce que la kmitza s'arrête ici. L'annulaire. La kmitza s'arrête là. Donc c'est ça la question. Toi, tu dis que les kamtsinche sont entendus avec tous les doigts de la main. Mais non, ça s'arrête ici la kmitza. Comme ça, on fait la kmitza. Attends. Donc on ne comprend pas pourquoi tu dis que les kamtsinche. Donc zo zeret, zo kmitza, zo ama. Ici, c'est le doigt. Le majeur. Qui est la hama, c'est-à-dire que quand je veux mesurer une hama, c'est du coude au doigt, à l'extrémité de la main, non? Zo etzba, avec lequel le Kohen fait les zricotes. Et zo goudal, pour le metzora, c'est les béonotes. Et là, alors à quoi il sert ce doigt? Il sert à les hashvot. C'est-à-dire que la kmitza, tu as raison, elle n'est que de trois doigts. Ce doigt-là, il est là pour être mâchevé. Qu'est-ce qu'il est mâchevé? Alors c'est marcoquette. Pas dans toutes les ménachot, on a besoin d'être mâché. Quand c'est de la farine, bémet, tu prends et il n'y a rien qui dépasse. Mais par contre, il y a des fois des ménachot qui sont cuites avant, comme par exemple la machéchette et la machabat. Et ensuite, elle est faite petitine. Et toi, tu vas mettre la main pour faire une kmitsa dans quelque chose qui est dur. Des résidus. Donc finalement, ça va être mistaber de dire qu'il y a des trucs qui dépassent. Il y a de la pâte qui dépasse là. Et avec ton petit doigt, il va falloir que tu l'enlèves. Klomar, kometz melo ayad kede chez le yechaser. Tu prends avec toute ta main pour pas qu'il y ait de chissaron. Vacharkar morek beetzvak tanam il matay. Ensuite, tu enlèves avec ton petit doigt. Ichi abid. Alors, comment je mets la main? Amar ravutra abar tuvia amarav chofei shalosh etzvaotav ad shemagia pas al pas yado. Donc, je rentre ma main à l'intérieur de la farine jusqu'à ce que j'arrive à mettre ma pomme à l'intérieur de la farine. Pas yado. Donc, chofei shalosh etzvaotav ad shemagia al pas yado ve kometz. Et je ferme. Taliana Meachi, Melo Kumtso. C'est marqué Melo Kumtso, machma, une pleine poignée. Yachol Mevurats. Est-ce qu'il faut que ça soit plein et même que ça soit débordant?
Ça me demande Bekumtso. Machma qu'il faut que ça soit Medouyak. Et Bekumtso, Yachol, Berachet, Sveotav. Alors peut-être que c'est Bekumtso, petite quantité. Ça veut dire comme si c'était du bout des doigts. Ouais. Alors, une pincée. Ça me demande Melokumtso. Non, une pleine poignée. Une pleine poignée ou une pincée? La Torah se contredit en quelque sorte. Parce que d'un côté, elle te dit Melokumtso, après, elle te dit Bekumtso. Ah, Ketsa, Trophée Shalosh, Sveotav, Alpasiado, Bekometz. Donc c'est Melokumtso. Ce que tu as pris, c'est plein. Mais ce n'est pas une pleine poignée. C'est Bekumtso. Entre les deux. Bemachavat ou Bemachéchet. Et c'est Dafka Bekomet, Bemachavat ou Bemachéchet, comme je vous ai dit. Parce que là-bas, dans la Machavat et la Machéchet, la Kmitsa est faite après la cuisson. Donc, c'est une sorte de matza dur qui est pliée en deux et ensuite en quatre et qui est faite de plusieurs morceaux. Donc, quand tu vas plonger ta main à l'intérieur pour faire la Kmitsa, c'est évident que ça va dépasser aux extrémités. Mochek begoudlo, milemala, donc je fais ce geste-là avec le goudal, avec le pouce, ou be'etzba oktana, avec le zeret, milemata. Bezoya avoda kasha hachebamidash. Et ça, c'était la avoda qui était la plus difficile au betamidash. Rachid explique qu'est-ce qui est difficile. C'est difficile d'arriver à enlever tous les morceaux. C'est-à-dire qu'il ne faut pas trop en enlever, mais il ne faut pas en laisser non plus. C'est délicat. C'est délicat, c'est-à-dire que si j'appuie trop, parce que c'est dur, je risque d'enlever de l'intérieur. Et si j'appuie pas assez, je risque d'en laisser. Zé avoda kasha chez Bamigdash. La Gemara dit, zo betulo, quoi, c'est la seule? Vaïka Melika. On avait vu que la Melika, d'après une certaine d'après Rashi dans Svachim, je prends avec ma main, je bloque les pattes, je bloque les ailes, et avec mon pouce, je lui fais la Melika. C'est vachement dur. De toute façon, je crois qu'il disait avec les deux mains. En tout cas, c'est compliqué. Vaïka, Khafina, la Khafina du Kohen Gadol aussi, c'est compliqué. Pourquoi? Parce qu'il arrive avec les deux pelles et il a dans une pelle, il y a toute la ktoret qui est maintenue dans deux mains. Ben, va faire passer ce qu'il y a dans une pelle dans tes deux mains sans que personne t'aide. Il y a marqué là-bas dans la Gemara qui coince le manche sous son bras, ouais. Et il fait basculer délicatement le contenu à l'intérieur de ses mains. Donc voilà des mélachot qui sont aussi difficiles. Mm-hmm. Et là, Zoï Achat, mais Avodot Kachot Sheba Migdash. La Kmitsa, la Khafina et la Melika sont les trois Avodot Kachot Sheba Migdash. C'est Merakev. C'est pas ça. Ça s'appelle Yeter. Si tu n'as pas fait ça, donc tu n'as pas tout enlevé. Donc elle est en trop grande quantité. Amara Papa, Pshitali. Oui. Par rapport à ça, parce qu'on parle de Yeter et de Chaser, mais entre. D'un Kohen à un autre, la main elle peut être plus grande ou plus petite entre l'un et l'autre. Donc la Kmitsa, la quantité, ça va pas être la même entre chacun. C'est une quantité qui est relative. Relative à la mode. Amar Rav Papa. Pshitali, Rav Papa, c'est évident pour moi. Melokumtso, le Melokumtso, c'est que les Kamtse Inche. C'est-à-dire que j'ai besoin de mettre la main hein, comme les gens mettraient la main naturellement dans la farine. Bah, Rav Papa, Kamatz Berachet Svaodav. Madin, si j'ai fait. Comme ça, je rachète le tab et après j'ai fermé le poignet. Ça s'appelle Melokumtso. Maï, Minat Sidadim. Rachid dit c'est comme Minat Sidadim. C'est je mets la main comme ça dans la farine, je la fais pénétrer à l'intérieur et ensuite je ferme. C'est pas bien si tu prends une pincée, si tu arrives au même résultat. C'est pas pareil. Mimata les Mala. Si je plonge ma main à l'intérieur de cette manière, pas comme ça, mais comme ça, Mimata les Mala. Maï, t'écoute. La Gemara ne répond pas. On répond pas. Le Rambam, il est posek que c'est kasher. Les diavad. Les khatrila, si évidemment. Je pensais que j'ai toute la main. Les khatrila, ce n'est pas comme ça qu'on fait. Mais si tu as fait comme ça. C'est le même résultat. C'est bon. Pourquoi? Arrête la Gemara, dit tekou. Parce que le Rambam, il chitato. Le Rambam, il dit que ça fait que de oraita, la kula. Et c'est des rabananes que c'est la chomra. Étant donné que ça fait que de oraita, la kula. La mincha lekshera. Ça fait, hein? Les chitato. Amara papa, Chitali, pareil maintenant pour le Kohen Gadol. Mais le Chofnav, que des Chafninche. Quand tu veux prendre avec tes deux mains, tu fais comment? Tu fais comme ça. Ok. Évidemment. Bayera papa, pareil. Chafan berachat svaotav, comme ça. Maou, minat zadin. Maou, Chafan bezo ou bezo, vikirvan. C'est-à-dire que tu as fait une Chafina séparée, ensuite tu les as rapprochés. Vikirvan zo et tselzo. Maou, t'es cool, la Gemara aussi ne répond pas. Bayera papa, troisième tchela. Davke les comets bedafne. Des mana. Donc là, la Kmitsa, elle est censée être à l'intérieur du kli. D'accord ? Ouais. Pas seulement. Ouais, à l'intérieur du kli. Dans le kli charrette. Après, on fait ta Kmitsa, tu déposes dans un kli charrette.
Ma'adin, davke les comètes, bedafna des mala. C'est-à-dire que ce, j'imagine qu'il y avait des rebords, et tu l'as, elle est un peu collante, parce que c'est de la farine et de l'huile. Pouf! Tu l'as collé sur le bord. Tu l'as pas posé. Tu l'as pas posé, mais tu l'as collé. Question. Ma'ay, torkeli bainan veika, ou dinma, anacha betocho bainan veika. Est-ce qu'on a besoin que ce soit à l'intérieur et c'est à l'intérieur, ou bien on a besoin que tu le déposes à l'intérieur et tu ne l'as pas déposé à l'intérieur? C'est Médouillac, ça veut dire. Teku, l'agma aussi, ici, ne répond pas. Non, je suis d'accord avec toi que personne ne va faire un truc pareil. Non, mais s'il a fait. Mais à travers la question, je comprends un peu plus que peut-être. Harry, c'est des. Comprenons bien. Toutes ces avodotes-là, on est désarmé devant la signification. Ouais, pas mal. Ouais. D'accord. Faire une mincha, faire une kmitsa, faire une mincha. Ça n'est pas autre chose. Le pigoule. On va en parler là du pigoule. On est désarmé, on ne comprend pas. Peut-être qu'à travers les questions et arriver à affûter au maximum la mitzvah, peut-être qu'on va entrevoir quelques. Grâce aux caractéristiques. Exactement. Peut-être qu'on va entrevoir quelques explications et réussir à comprendre un peu. Mm-hmm. Je pense que c'est ça la kavana. Et enfin, dernière question. Baemar Baravashi. Après les manas, donc il a tourné le cli, Vedavke les comètes Baharaïta, et il a mis le comète sur le. Comment dire sur le bas. Ouais, sur le bas du cli, l'envers du cli. Ouais. Et Rachid dit que même l'envers du cli, il avait un bête qui boule. Pas le couvert. Il avait un petit bête qui boule. Il avait un petit bête qui boule, même derrière. Comme un diabolo. Donc est-ce que c'est caché ou pas? Maï anacha betoch bainan laïka, je l'ai déposé à l'intérieur. Odima ketikno bainan, j'ai besoin de le faire comme normalement. Comme il le faut. Veleika, et là je vais pâter. Alors on y va, nouvelle Mishnah. Ketsado, c'est comment il fait la kmitsa? Pochette etzba otav, alpas yado. Comme je vous ai dit, les doigts, il y a deux manières de fermer une main. Comme ça, comme un poing fermé. Là j'ai très peu de quantité à l'intérieur. Et comme ça, où j'ai le maximum de quantité à l'intérieur de mon poing. D'accord ? Si je serre ma main comme ça, je peux le faire aussi. Là, j'ai encore plus de quantité. Oui, mais on ne peut pas dire que la matière est à l'intérieur de ma main. Elle est sur ma main. Elle est... Ouais. Tu comprends ? Ouais, ouais. Ce n'est pas une pleine poignée. C'est pas, ça, c'est peut-être melokumtso, mais ce n'est pas bekumtso. Ce n'est pas bekumtso. Bekumtso, il faut que ça soit fermé. Mais fermé de manière à ce que j'ai le maximum. Donc, c'est pour ça que la Mishnah nous dit pochette et tzbaotav al passiado. Pochette, c'est-à-dire j'étends mes doigts. Ça ne suffit pas de les mettre jusque-là. Exactement, et je ne ferme pas mon poing. C'est comme ça. Et il touche. Riba, shmena, si j'ai mis trop d'huile. Chaser, shmena, j'en ai pas mis assez. Chaser, levonata, où j'ai pas mis assez de levona, psula. C'est quoi le chiro de shemen? C'est un isaron. C'est un log, pardon. Non, c'est la soleil. Et la levona, c'est. C'est courte, non? Courte. C'est d'après. Le briskorov courte, c'est une branche. Et d'après le chazonish, courte, c'est l'abdavka, une branche entière. Courte, c'est une branche, mais pas l'abdavka entière. Maintenant, le shiur de l'évona, c'est une kmitsa aussi. Il faut faire aussi une kmitsa de l'évona. Il y avait un bol avec de la l'évona, il faisait une kmitsa et déposait dans la mitra. Si c'est la branche, c'est pas de. Il y avait un. Il prend une poignée de branche, pas bien. Echidame, riba shmena. Comment c'est possible que j'ai mis trop d'huile? C'est possible. Comment? Il y avait des pots avec un log pile. Avec le chiur dedans. Tu peux pas tu en as mis deux. Il y en a qu'un en trop. Pourquoi ce serait possé la minra? Amar Rabbi Eliezer, donc c'est quoi la chila? On va voir. Kegon Shifrish Lashne Lugin. C'est-à-dire que de Meatrala, les Acharonim nous expliquent, je crois que c'est le Chazonish, il dit c'est quoi Shifrish Nelugin? Il a été ma friche deux logs. Les acharayut. Il s'est dit, si j'en perds un, j'en ai un deuxième. Donc les deux, ils sont préposés à cette mincha. Et finalement, il a mis les deux dedans. Pas ça, l'autre. Kegon Shifrish Ala Shnelogin. L'agmara dit, pourquoi tu dis qu'il a mis Dafka deux logs de Shemen et que ces deux étaient vraiment réservés à cette mincha? Lukma Kegon Darim, bah Shemen de Choulin. Dis-moi qu'il a mis du Shemen Choulin Stam. Ou alors Shemen de Chaverta ou un autre Shemen. Pourquoi le shemen il doit être concerné par cette mincha? Dis-moi qu'il a mis plus de shemen, comme tu as dit Bao. La Gemara demande comment c'est plus d'huile? Eh ben, il y avait plus d'huile. Nekuda, il a mis trop d'huile. Il n'y a pas besoin de chercher midi à 14h. Non, on est obligé de trouver un cas où finalement cette huile-là, elle était, oui, préposée à cette mincha. Pourquoi tu ne m'avais pas dit qu'il a mis de l'huile chouine? Il a mis trop d'huile. Une autre huile. Ou une autre huile.
Et si tu veux me dire, chemin des choulines, chemin des chavarta, l'opassal. Alors peut-être que c'est à ça qu'elle voulait arriver à la Gemara. Alors peut-être que Bémet, ce chemin-là, s'il n'est pas préposé la mincha, il n'est pas possel. Il est des choulines. C'est comme si il va tomber à l'intérieur, Mina Shamaïm, il va tomber quelque chose. Ah, c'est pas possel la mincha, parce que ça n'a rien avec la mincha. Imagine, il y a une plume qui tombe. Il y a une feuille qui tombe dedans. Ah ben, Matt qui, et pourtant, Matt qui fleur Ravzoutra Bartoubia. Et la Meata, c'est comme ça. Mincha troté. Arrête dans la mincha troté, qu'est-ce qu'on met? On met que de la sec. De l'eau. Elle est sèche. Donc, mincha troté n'a aucune shemen qui est préposée à cette mincha. Il y a du shemen qui est tombé dedans. Des passales bas shemen. Donc, voilà que c'est du shemen qui n'a rien avec la mincha et pourtant il possède. Et Rimashkachatla. Idida, Aletla. Si c'est le sien, on n'en a pas. Idechulin, Lechaverta. Si c'est Idechulin ou c'est le shemen du copain. De la copine, la mincha. Amred l'opassal, tu viens de dire que non. Viamred et affriche la shemen. Et tu me dis non, il a quand même mis du shemen sur cette mincha trottée, malgré le fait qu'il ne devait pas en avoir. Il va me délaître la shemen, là, le choulin, nous. Si Bémet, il ne doit pas avoir de shemen, c'est comme du choulin. Mabilezer, l'homme, il baya kama. T'as raison. Bémet, shemen choulin, shemen de chaverta, c'est aussi possède la mincha. Mais non seulement ça, c'est pas chaud que je possède. Mais même une shemen qui était préposée à la mincha, qui était meyouedet à la mincha, à cette mincha-là, elle sera possédée. C'est la chidouche. L'homme, il y a des choulines de chaverta, des passifs, qui est complètement étranger à la mincha, avec ses possèdes. Aval, il friche la chne login. Mais quand j'ai mis deux login, qui étaient, oui, concernés par cette mincha, mais à trala, oui, il veille, aïe chazele. Alors, chacun, si j'en perds un, je peux mettre l'autre. Et si je perds l'autre, j'en mets un, je mets le premier. Donc, tu vois finalement que les deux, ils sont concernés par cette mincha. Tout cela ne sera pas possède. Il m'a l'olifsi, kamash malan. Chidouche. Comme une possède. Ou minale le Rabbi Lézera. Mais d'où il sort cette histoire, Rabbi Lézera? Minale. Amarava, matnintin kachite. Rabbi Lézera, il avait une coucha sur la Mishnah. Qu'est-ce qu'il y a marqué dans la Mishnah? Marqué dans la Mishnah, riba shmena. Vas-y, riba shmena. Riba shemen. Riba shemen. Pourquoi tu dis shmena? Maïria de tade riba shmena. Pourquoi tu me dis riba shmena? Son shemen à elle. Litne riba la shemen. J'ai mis trop d'eau. J'ai mis trop d'huile. Pourquoi tu me dis, j'ai mis trop de son huile? Et là, Kamashman, d'après des friches là, Shnelugin. Que même si j'étais ma friche Shnelugin pour cette mincha, c'est son huile, néanmoins, c'est possède. Chisser Levonata. Allez, si j'ai maintenant pas assez de Levona, ça veut dire Chisser Levonata. C'est-à-dire que finalement, le shiur de Levona, c'est combien? On a dit c'est une Kmitsa. Donc j'ai pris une Kmitsa, j'ai mis dans la mincha, à Koltov et à Fé. Maintenant, il en manque. Alors combien il en reste? On va voir qu'il y a une marque loquette, parce que sur la Levona, même s'il n'y a pas le même chiot que depuis le début, il y en a qui disent que ce n'est pas grave. Bah, c'est normal. Pourquoi? Si tu fais une kmitsa au démarrage et qu'après tu dois rajouter autre chose. Ou autre chose? Tu le mets dans la. Avec la farine, etc. Je ne mélange pas. Et même si tu ne mélanges pas, alors à ce moment-là, soit tu reprends la même quantité de la première kmitsa, parce que tu ne peux pas avoir une deuxième kmitsa qui va être plus grande que la première. Non, je ne parle pas de kmitsa là, je parle de Levona. Il manque si tu fais une première kmitsa de que tu mets après dans la farine et que tu fais après une deuxième kmitsa. Quelle deuxième? Tu en refais une autre après. Tu fais la bonne kmitsa, du vrai kmitsa avec de la farine. Ah, pas le tout, que de la farine. Il y a pas, c'est pas kmitsa de Levona. Ah, pas touché la Levona. La question de je la pose de côté, la Levona. Elle est dedans, dans le clim, mais je la mets de côté pour pouvoir faire ma kmitsa de farine. Ah, ok, je ne vais pas mélanger. Dans le clim, j'arrête. Je vais déposer la kmitsa de farine et d'huile. Sur cette kmitsa, je vais mettre la levona. Je vais récupérer la levona, je vais la mettre sur la kmitsa et après, je vais mettre du sel. Vous êtes sur Atta Aminar. Ok, donc il y a deux kmitsas en fait. Chesser levonata, tanoura banane. Chasra ve'amda al kurt. Alors, c'est ici comment ils sont en marloquette, le grise et le chazonish. Chisra, il n'y a plus assez de levona, comme à la base. Mais il reste encore un courte. D'après le Briskorov, il reste encore une branche entière. Alors que d'après le Khazonish, l'Avdavka a une branche entière. Il reste une branche telle qu'elle était avant, au début. Que si Bémet, au début, tu as pris une poignée et il y avait des branches, et cette branche, elle est restée telle qu'elle était, elle n'a pas été coupée, même s'il en reste une, ça marche. Okay. Donc c'est comment on fait ça alors? Attends. Khasra ve'amda al-kurt echad. Du moment où il reste un courte,
une branche. D'accord. Psoula. Même s'il reste une, c'est pas soula. Achne kratin kshira. Par contre, s'il reste deux branches, ça marche. Ok. Où il reste, j'ai pas compris. Ce qu'il faut. Dans la mincha. Il reste deux branches dans la mincha. Il n'y en ait pas. Il reste deux branches dans la mincha, c'est kasher. S'il en reste une, c'est pas kasher. C'est pas assez, d'accord. À la base, il y en avait cinq. J'ai fait une kmitza, il y en avait cinq. Alors, où elles sont pas, où elles disparaissent. Alors, il y a deux colombes qui sont venues, ils ont pris des branches. Qu'est-ce que je m'en fous comment ils sont disparus, c'est pas un problème. Ils sont enfoncés dans la mincha. Non, mais non, justement, ils sont, plus là. Ils sont plus là du tout. Non, on parle du clicharette là. Un chissarot, ça veut dire qu'il n'y a plus. On parle du clicharette là. Oui. Ils sont tombés par terre. Il y a eu un coup de vent. Il y a un coup de vent, exactement. Ils sont envolés. Ça, c'est Shita de Rabbi Yehuda. Donc, d'après Rabbi Yehuda, le chissarot, il est possède quand il ne reste qu'un. Et quand il se débranche. D'accord, minimum deux. Rabbi Shimon Omer, al court echad kshira. Rabbi Shimon dit non, même quand il reste une branche, c'est kasher. Par contre, mikan tsula, moins d'une branche, c'est mort. Demi-branche. Après tout le monde, le court, c'est la même définition. Non, t'as dit presque Rabbi dit c'est des. Ah, mais dans les Tanaïm, c'est la même chose. Donc, c'est pareil, il n'y a pas vraiment de différence entre le presque Rabbi et le Khazoni. Est-ce que c'est une branche entière ou c'est une branche telle qu'elle était au début? C'est une branche. Veatania, pourtant, il est marqué dans la Braïta, Kometz Velevona. Chichaser kol shiou pasoul. Arrête, tu vois bien qu'un comète ou une levona qui chasser kol shiou pasoul, même s'il reste encore une branche. Et toi, tu me dis que quand il reste une branche, c'est kacher. Tane courte levona, chichaser kol shiou pasoul. T'as qu'à dire qu'un court de levona, la branche qui était à la base, si elle est chassera maintenant, alors elle est pasoul parce qu'il reste pas une branche. D'après le Rabbi Shimon, il faut au moins qu'il reste une branche. Si cette branche, elle est chassera, va dire que c'est pasoul. Vibaitema, sinon je te dirais, kan belevona, ba imamincha. Si c'est la levona qui accompagne la mincha, alors là, Rabbi Shimon dit du moment où il reste une branche, ça marche. Kan belevona aba bifnatma. Mais si la levona qui vient tout seul, quelqu'un il est mitnadev. Ani mitnadev levona la betamikdash. Entre parenthèses, ouais. Si Bémet il est mitnadev une levona, alors il faut qu'elle amène le shiur de levona qu'il devait amener. Si par exemple, il doit amener une kmitza, il doit amener une kmitza. Si c'est chaser, si elle est chaser, à kolchou, c'est pas soul. Même Rabbi Shimon sera d'accord que quand tu dois amener une levona toute seule, alors là, chaser à kolchou, c'est pas soul. Oui. Si jamais il fait, il fait une première kmitza, il le pose à côté de du reste de la mincha, et qu'après il reprend tout, qu'il y a eu un coup de vent, même s'il reste deux branches, en tous les cas, les chassera, parce qu'on en a perdu une partie. De la levona. Ouais. Nahod. À partir du moment où on en a perdu une partie, même s'il reste deux branches, en tous les cas, ça devrait être chassera. Ouais. Alors tu demandes pourquoi c'est kasher. Ouais, pourquoi dans tous les cas, ça reste kasher. On n'a pas fini la souga. Amar Rabbi Yitzhak bar Yosef, Amar Rabbi Yochanan. Attends, d'après le deuxième avis de Beit Tema. Ouais. Que même une courte racera ouais. Dans un levona, dans un comex rabide, c'est bon. Non. Ben si. Non. Il y a ici, la Gemara pose une question sur Rabbi Shimon. Rabbi Shimon, il te dit que du moment où il reste un court, ça marche. Une braïta nous dit que si racer kol shiou pasoul. Alors, machma que même s'il reste un court, ça marche pas. Tirout, premier tirout, c'est que si il reste un court, ça marche. Si chasser kol shiou de ce court là, c'est pas soul. Ça, j'ai compris. Deuxième tirout, si tu dois amener un court de levona tout seul, parce que c'est ça que tu as été mit nadev, alors il faut pas qu'il soit chasser kol shiou. Si il est chasser kol shiou, c'est pas soul. Et tout ce que Rabbi Shimon il a parlé, c'est quand c'est la levona qui accompagne la mincha. Là, il peut rester un court, et ça sera pas chasser. Même si on en a perdu sur la route. Même si on en a perdu 10. Il y en avait 10 à la base. Bah, mon problème. Il en reste un, ça suffit. Exactement. Bien pourquoi fait. On va voir. Amar Rabbi Yitzhak bar Yosef, Amar Rabbi Yochanan. Gimel machloket badavar. Il y a trois avis sur cette chose-là. Rabbi Meir, savar, kometz batechila et kometz basov. Rabbi Meir, il pense comme. Roni, il pense comme Rabbi Meir. Tu as pris une kmitza à la base. Il faut qu'il y ait une kmitza à la fin. Et kazé davar de perdre quelque chose en route. Tu fais tout son super. Rabbi Yehuda, savar, kometz batechila, je n'ai kratin basov. Rabbi Yehuda, il dit une kmitza à la base. Mais s'il en reste deux, c'est encore bon. Rabbi Shimon, savar, kometz batechila, mais court echad basov. Rabbi Shimon dit une kmitza à la base et à la fin un. Les shloshtan mikrei radarshu. Et les trois, ils sont d'oreille du même pasouk. Alors là, tu es scotché. Hein. C'est-à-dire que les trois, ils sont d'oreille ça du même pasouk. Ve'et kol alevona. Voilà que la Torah nous dit. Ve'et kol alevona asher ala mincha. Je finis le pasouk. Je dis tout pasouk dans son intégralité. Ve'eri mimeno bekomto. Mi solet a mincha. Ça, c'est la première, c'est la kmitza de la solet. Ou Mishamna et de l'huile. Ve'et kol alevona. Et je prends toute la levona. Asher la mincha qui est posée dessus. Victir. Et je brûle. Amis Beach. Reach. Nichoir. Askarata. La chaîne. Le meilleur, il est bon. Ah, le meilleur, il est bon. Il y a marqué kol alevona. Je cherche pas à comprendre. S'il manque une feuille, c'est pas kol alevona. Tu l'as à la
Rabbi Meir Savar a déité les levona de Ikva ba adé mincha miikara. Il faut qu'il y ait les levona qui soient amenés sur Misbéar qui étaient au départ. Bien joué. Rabbi Yehuda Savar, non. Kol ba filou chad kurt. Eh oui. Parce que Rabbi Yehuda, il dit quand la Torah te dit kol alevona, ça veut dire kol shiou. Kol shiou, mi alevona, c'est bon. Parce qu'il n'avait pas besoin de dire kol alevona. Veet alevona. Pas besoin de dire veet kol alevona. Veet alevona. C'est-à-dire que, évidemment, que minastam, ce qui est kmitse, c'est ce qui doit être brûlé. J'ai pas de doute là-dessus. Alors pourquoi tu dis kol al-kochar, c'est pour nous apprendre kol shiou. C'est shitat Rabbi Yehuda. L'inverse de ce que tu as pensé. Kol shiou, c'est pas une feuille, c'est une branche, un court. C'est un limoud dans la Torah. Et maintenant, le deuxième d'où il sort, et. Et les rabotes courtes acher. Et kol. Et kol alevona. Ah, donc il y en a deux. Rabbi Shimon, et le darish. Rabbi Shimon, ici, toi, soit dit. Ici, il n'est pas d'oresh le et. D'habitude, il est d'oresh, pas ici. Donc Rabbi Shimon, il dit un seul. Darish, Rabbi Akiva, kol a été. Exactement. Ouais, juste qu'il est arrivé sur. D'abord, Rabbi Trak, c'était pas Rabbi Akiva, c'était. Rabbi Akiva, il a continué la drasha. Rabbi Shimon, exactement. Shem Shekibalta Sachar à la Drisha, Kart Kabel Sachar à la Pricha. Mamar Abitrak Bayosef Amar Buchanan, Machloket Belevona Yabay Mamincha. Toute cette machloket là qu'on a dit dans le Ibeitema, c'est quand c'est la Mincha qui accompagne, c'est la Levona qui accompagne la Mincha. Elle vient assaisonner. Aval Belevona Abba Bivnatsma. Et quand Levona elle vient toute seule, alors là, évidemment qu'il faut que ça soit le Shiur de base. Divrei Hakol, Kometz Batechila, et Kometz Basof. Un comète au départ, et il faut que ça soit un comète à la fin. Les achit, c'est-à-dire, c'est la raison pour laquelle il est marqué Asher la mincha. Parce qu'on ne parle Ve'et kol la mincha, Ve'et kol la levona, on ne dit que ça parce qu'elle est à la mincha. Mais si elle n'est pas à la mincha, Behemet, tu devras l'amener dans son intégralité. Des Be'ane mincha in, si elle vient avec la mincha, oui, Bifna atmalo. Vamar abitrak bar Yosef, Vamar abiyochanan, Machlo ket be levona ba mima mincha. On vient de dire, là, Belevona qui accompagne la mincha, aval, Belevona abba bebazichin. Donc il y a deux sortes de Levona, il y a trois sortes de Levona. Il y a les Levona qui accompagnent la mincha. Il y a les Levona que tu vas amener tout seul. Ani Torem Levona, Ani Rotse, l'actir Levona à la Betamigdash. Ok, il y a là, ça. Et il y a troisième Levona, celles qui sont matir le Lechem Apanim. Il y avait deux petits bols dans lesquels il y avait une kmitza dans chacun de Levona. Et c'est grâce à ça, où est-ce qu'on brûlait ça? Sur le Mizbeach Hazav, à l'intérieur, le jour de Shabbat, après la septième heure de Shabbat, après Chatzot, non, pas après, dans la septième heure de Shabbat. Et donc, ces deux bazirina, c'était de la Levona. Divrei Hakol, Shnei Kmatzin Batechila, Shnei Kmatzin Basof. Là aussi, il faut respecter le shiur. Il y avait deux Kmatzin, un dans chaque gobelet, il faut deux Kmatzin à la fin. La Gemara dit Pshita, c'est évident. Quel chidouche? Mais quel chidouche? Le chidouche, ben oui, on aurait pu croire que le lechem apanim c'est une mincha. Ah, comme le lechem apanim est considéré comme une mincha, c'est peut-être asher à la mincha. Mais on était mal, j'aurais pu croire qu'il vient des bas des lechem atia. Attends, avec les deux bazirim, ils sont matir le lechem. Car asher à la mincha, Damien, c'est comme si c'était marqué asher à la mincha. Kamashmalan que non. Pligeba rabbi, ami verabi, trak nafra. Khadamar machloket belevona abba ima mincha, aval belevona abba bifna atzma advera kol komet vatrila komet basop, comme on vient de voir jusqu'à présent. Une mincha, de la levona qui vient toute seule, il faut respecter les shiur du début à la fin. Le chaser, il ne sera pas kacher. Et khadamar, ke machloket bezo, kach machloket bezo. Il dit non, il y a la même machloket de partout. Il n'est pas d'oresh hachar la mincha. Si behemet, chaser n'est pas pasoul quand c'est la levona qui accompagne la mincha, chaser n'est jamais pasoul dans la levona. Donc il n'est pas sur le faut qu'il y ait au moins un court d'après Rabbi Shimon, deux d'après Rabbi Yehuda. Chiser levonata psula. Maintenant, s'il manque, donc c'est pas soul. Ah, yatir, kshara. S'il y en a trop, c'est bon. Arrive à Shema que. Regardez la Mishnah. Dans la Mishnah, il y a marqué Riba Shmena, Chaser Shmena, t'es pas soul. Chiser levonata, c'est psula. Mashma, que l'huile, si tu en as trop mis ou pas assez, c'est pas soul. Mais la levona, si tu en as trop mis, ça sera kasher. Khamashman, n'est-ce pas? Pas besoin de faire une kmitza. Eh oh! Adai! T'as pas besoin de faire une kmitza de levona. Si oui, tu fais la kmitza, tu enlèves parce qu'il faut. J'ai fait deux kmitzot. Mais attends, j'ai pris une. Ah! Yatir Kshira, si Bébé, j'en ai trop mis, c'est bon. Yatania, pourtant, il y a marqué Yatir Psula. Ouais, donc c'est pas marqué. Alors, match. Amarami, Bahama, Kegon, Chifrish, Lash, Nekmatim. Bébé? Encore une fois. Ouais. J'ai été ma friche Nekmatim pour cette mincha. Au cas où. Ah.
Achayut. Amar Rabbi Bar Chama, Ifrish la shne kmatim, ve'avad echad mehen, koden kmitza, lo kuvu. Si la première, je l'ai perdue avant la kmitza, alors la première n'était pas concernée. Si la, une des deux, je l'ai perdue avant la kmitza. Donc finalement, cette mincha, elle était kshara. Pourquoi ? Parce que c'était avant la kmitza. Par contre, avant la kmitza si, de la mincha. Ouais. Achar kmitza, par contre, c'est après la kmitza de la mincha, ou kveu. C'est-à-dire que le surplus de l'Evona, ça a été possédé la mincha. Amar Rami Bachama, Ifrish Arbak Matsin Lishne Bazirin. Pareil pour le Lechem Apanim. Normalement, c'est deux gobelets de l'Evona, j'en ai fait quatre. Au cas où. Ah, au cas où ? Il n'y a pas d'au cas où. Veavdou, Shnaimen. Il y en a deux que j'ai perdu. Tant mieux. Toi, finalement, j'ai bien fait d'être prévoyant. Kodem Silouk Bazirin. Si c'était. Je les ai perdus avant d'enlever cela. Magnifique. Odloï Diazman. Et donc, ils n'ont pas été possèdes par leur. Leur surcharge. Loukvou, laisse-moi finir. Loukvou, l'achar silouk bazirin. Non, pardon. Kodem silouk bazirin. Loukvou, l'achar silouk bazirin. Par contre, ils ont été perdus après. Non, c'est pas pareil. Loukvou. Non, c'est-à-dire que si Béhémet, je les ai perdus après, c'est-à-dire qu'une fois que j'ai enlevé les bazirin, j'en avais quatre. C'est pas bon. Ils sont devenus psoulis. Donc on voit que Yéter c'est possède. Exactement. Pourtant, c'est pas écrit dans la Mishnah. Exactement. Alors ? Quoi alors ? Quoi la réponse ? Attends. C'est une question déjà de pourquoi il en fait quatre. Vas-y, Rin, ce sont les deux petits pots qu'on mettait dans la chambre à plus. Ah, mais la réponse, on a déjà répondu. Bon. Oui. C'est-à-dire que la réponse, c'est comme ça. Kgon Chefrich Lachnek Matsin. Quand est-ce que c'est pas soul ? C'est quand j'ai un chiur x 2. Mais si j'ai. 1,5. Si j'ai pris trop, c'est pas grave. C'est bon. Oui. Donc quand la Mishnah nous dit que Chaser c'est pas soul, mais Yatir c'est pas soul, c'est quand je suis pas encore arrivé au deuxième shiur. Je suis à 1,5. T'as pas doublé. Mais si je suis à 2, c'est pas soul. Maintenant, l'histoire des Bazirin du Lechem Apanim. On a déjà compris pour l'autre. Pourquoi tu me répètes ? Aïnoir, Atula Mali, pourquoi tu me répètes ? C'est pareil. Nachon ? 2, c'est possel. Avant la Kmitza, non. Après la Kmitza, oui. 4, c'est possède. Avant le Silouk Bazirin, non. Après le Silouk Bazirin, oui. Non. Tu aurais pu croire. Moi, le Théma qui m'a des barir, Komet Dida. Dans le Lechem Apanim, les deux Kmatim, ils sont déjà là. Et donc, on avait vu que dès que Miyachi Gazman, c'est comme si on les avait enlevés. Parce qu'ils sont déjà séparés. Si c'est comme si on les avait déjà enlevés, peut-être que les 4, ils sont déjà devenus psoulim. Ivan, chez Gazmana, les Forka, qui vend des prix Kadamia. Peut-être que j'aurais pu croire qu'il va en débarrir comme Zida, qui vend chez Gazmana, les Forka, qui vend des prix Kadamia, Kamashmalan, que non. Kamashmalan, que je ne dirais pas, le temps est arrivé, c'est comme si on les avait enlevés. Non, ça non. Mais on a dit que oui. On a dit que dès qu'il est arrivé le Zman, c'est comme si on les avait enlevés. Et là, on ne dit pas. Ma Abdel, chez la Tova. Ma Baya. Qu'est-ce qu'on a dit de Sofo Chadavar? Que si on a 4, c'est possède. Si oui. C'est Giazman. Exactement. Là, je me demande pourquoi tu me répètes. Tu m'as dit 2 avec la Mincha, tu m'as dit 4 avec le Bazirin. C'est pareil. J'ai mis un chiur x 2, j'ai compris. Non. Le Chidouche dans les Chem Apanim, c'est que j'aurais pu croire. Du moment où il y a Giazman, c'est déjà possède. Même si tu n'as pas encore été Porek. Kamash Malan, que tant que tu n'as pas été Porek, ce n'est pas possède. Tant que tu n'as pas enlevé les Bazirin. Maintenant, on a vu, nous, précédemment, dans le Dafret, que c'est oui, considéré comme si c'était déjà enlevé, malgré le fait que tu ne les as pas enlevés, du moment où il gazman, Azma Abchat, il répond le Orsamear, il dit que, Ivan Chiesh Levonam Yuteret, j'en ai trop. Ou que Chiesh Salek et Tabazichin Ima, Yfsol et Tabazichim Vet Alechem. Je vais tout être possède. Ah, alors là, non. En Mechashvim, Keilu Kvar Silek Bepsul. C'est-à-dire que quand. La marichet elle est kshira. Alors tu dis Giazman, c'est comme si c'était déjà fait. Mais quand la marichet elle est psoula, alors tu vas pas dire que c'est déjà fait, alors que c'est finalement il faut que tu sois possel au tas pour le faire. Pour que ce soit pas soul, il faut que tu sois possel. Mais quand c'est possel, il faut faire le maasé pour être possel. Donc il faut les enlever. On met la Mishnah. Elle est longue la Mishnah. Non, on va la faire rapidement. Akomet et Amitra, deux on la reprendra. Les Chol Shiria Bachutz, c'est pigoul. Alors, on avait vu Pigoul dans Zvachim, on voit Pigoul dans Menachot. C'est quoi Pigoul dans Zvachim ? Kavana, il y a quatre avodot. Shrita, il y a quatre avodot Chamorot. Shrita, Kabbalat Adam, Olacha et Zrika. Pareil dans Mincha, il y a quatre avodot Chashuvot. Kmitza, Netilah Bakli, Olacha et Aktara. Si tu as une marche à Vapsula
dans une de ces avodotes là, tu remplis goul. Si c'est mechutz lezmano, tu comptes manger les shiraim demain, tu comptes brûler la kmitsa demain, c'est chutz lezmano, karet. Si c'est chutz lemkomo, c'est juste pasoul. Et Rashi, ici, nous fait tout le résumé. D'où est-ce qu'on apprend? Il y a deux psukim, bayom hashlishi, takatakatakata. Ok. Akomet et amincha l'echol shira bachutz. Dans Zvachim, c'était les deux qui étaient karet dans les deux. Jamais. Chutz lezmano et pas chutz lemkomo. Akomet et amincha l'echol shira bachutz. Dehors. Kazaïch mi shira bachutz. Même pas tout. Même si tu as eu la kavana que sur un kazaït. L'aktir kumtsa bachutz. Tu voulais faire la kmitsa dehors. La ktara. Au kazaït, ou même seulement un kazaït du komet, bachutz. Oh, les aktir les bonata bachutz, ou bien et maktir les bonata bachutz, pas soul. Ben bokaret. Chutz limkomo, c'est pas soul, ben bokaret. Parce que là-bas, il n'y a pas marqué avono issa. Les rol, shiria, les macha. Par contre, quand tu avais la kavana de manger demain, au kazaït, mais shiria, les macha. Ou alors de manger seulement un kazaït, cette mincha demain. Les aktir kumtsa les macha, d'être maktir demain. Le komets, oh, kazaïd mi kumtsa les machar, oh, le akhtir le bonata les machar, pigoul, ve, chayavin alav, karet. Ze aklal, voici le klal, kola komets, noten bekli, donc première avoda, kmitsa, deuxième avoda, noten bekli, amolir, troisième avoda, la maktir, quatrième avoda, l'echol, davar shidar kol echol, l'akhtir, davar shidar kol akhtir, de manger ce qu'il devait manger, le shiraïm, de brûler ce qu'il devait brûler, la kmitsa, si tu avais la kavana, bachout, alors c'est pasoul, si c'est demain, alors c'est chayav karet. Chutzim komo pasoul ben bo karet, chutzim mano pigoul ve chayavin alav karet. Ou bilvad, et bien sûr il y a une condition, j'ai akriv amatir kemitzvato. C'est-à-dire que la mincha doit être terminée kemitzvata. Si tu as une kavana de chutzim mano et que tu finis ta mincha avec kashrut sans aucune mauvaise kavana, alors c'est pigoul. Et tu seras chayav karet. Chutzim komo, ça pasoul, alors tu ne seras pas chayav karet. Mais si bémet tu as mélangé, des kavanotes, alors là, il n'y a pas pigou. Ketsad, karev amatir kemitzvato. Voici l'explication de karev amatir kemitzvato. C'est-à-dire que j'ai fini ma mincha comme il fallait. Rashi dit presque kesh, bekashrut. Rashi dit, regardez, Rashi bilvat chez karev amatir kemitzvato, mais Rashi, keilu aya kasher. Comme si c'était kasher. Comment? Kamad shtika, je fais une kmitza avec aucune mauvaise kavana. Natan bekli, volir, viktir, chut, izmano. Par contre, tu as mis dans le kli, ou alors tu as marché, ou alors tu as été maktir avec la kavana chutz lezmano. Oh, chez Kamat, chutz lezmano, Natan, Bekli, Olir, Viktir, Bishika. Donc en deux mots, une des quatre avec la kavana, c'est tout. Ou les quatre. Oh, chez Kamat, Natan, Bekli, Olir, Viktir, chutz lezmano. Les quatre avec la même kavana, chutz lezmano. Ça aussi, c'est Pigoul, Viej, Bokaret. Zéou, chez Karav, Amatir, Kemitzvato. Et c'est donc Rayaka. Kara, Ketsad, Lokirev, Amatir, Kemitzvato. C'est quoi que tu as réussi à être possède le pigoul, kamat chutzim komo, natan bekli veolir viktir chutzim mano. Donc tu as fait une première avoda pour manger dehors et tu as fait une deuxième avoda pour manger demain. Ah, tu as tout mélangé. Pas mélangé. Oh, chez kamat chutzim mano, natan bekli veolir viktir chutzim komo. Oh, chez kamat natan bekli veolir viktir chutzim komo. C'est-à-dire que une des quatre, zelom chané laquelle et zelom chané le sens, zéou shlo kirev amatir kemitzato. Maintenant, ça c'est dans tous les Menachot. Mais on avait vu, c'est la première Mishnah de Menachot, qu'il y a deux exceptions, que si tu as fait chez l'Olishma, la Mincha, elle est psula. Mincha Trotté, Mincha Oléveren. Non, Mincha Trotté, c'est Oléveren, oui. Ah, et la deuxième, c'est Mincha Kenaot de Sota. Chutmir Rishimo. Mincha Trotté, ou Mincha Kenaot, chez Kamtsan, chez l'Olishma. Donc là, si c'est Mincha Stam, et que tu as fait chez l'Olishma, la Tamarchava, elle n'est pas possédée. Si ta marcha n'est pas possède, alors elle ne va pas casser le pigoul. Mais dans Mincha Trotté et dans Mincha Kenaot, que ta marcha va de chez l'Olishma est possède, alors elle va casser le pigoul. Donc là, il te dit Mincha Trotté et Mincha Kenaot, chez Kamtan chez l'Olishma, Natan Bekli Volir Victir Chutzizmano. Oh, chez Kamat Chutzizmano, Natan Bekli Volir Victir chez l'Olishma. Oh, chez Kamat, Natan Bekli Volir Victir chez l'Olishma et Chutzizmano. Bikito, tu as mélangé chez l'Olishma et une des pigoul, Zéou chez l'Okere va matir Kemitzvato. Et donc tu as été possède le pigoul. Les rôles kazaït bachout, kazaït les machar. Si tu avais une kavana de manger kazaït bachout et un kazaït demain, tu as mélangé les deux. Les machar, kazaït les machar, kazaït bachout, kazaït kechati zaït bachout, kechati zaït les machar, kechati zaït les machar, kechati zaït bachout, pasoul ben bokaret. Pourquoi? Parce qu'il est déjà pasoul quand il a eu le. Parce que tu as mélangé les deux. Tu as mélangé machar et oui, et on a dit que c'est pas.
Mais c'est pas Passoul, ça. Si, c'est Passoul. Bien sûr que t'as la... non, mais... le Corban, il est Passoul. Il n'y aura pas de carré. C'est juste qu'il n'y a pas de carré. Non, mais viens, quand il y a le deuxième Kavana qui est tout là, le Corban, la Mnacha était déjà tout là. D'accord, mais tu as été possède le pigoule. Si par exemple, tu aurais dû être Réaf Karet, si ta première marche à bas, c'était de manger un kazaït, Khout Sismano. Si tu continues sur ta lancée, tu es Réaf Karet en mangeant. Bah, sauf, tu as été Mitkaben, Khout Sinkomo aussi. Ah, tu as été possède le pigoule. Ah, ok. Possède, mais le corban n'est pas sous corban. Hazard. Amar Abuda, Abuda, il dit non. Zaklal, on va d'après la première marche à bas. Il marche à bas Tazman, Kadman, il marche à bas Tamakom. Si d'abord tu voulais, comme dans Zvarim. Si tu as voulu d'abord manger demain, ton corban est pigoul. Et tu es khayab karet. Si tu as voulu manger dehors, alors il n'y a pas khayab karet. Même si après tu as dit demain. Il a fait. Il marche à la tasman, kadam, marche à la makom, pigoul, khayab karet. Il marche à la tamakom, kadam, marche à la tasman, pas sous l'un de vos karet. Khamim mourir, pas sous l'un de vos karet. Khamim dit non, les deux, c'est quoi? Alors la chéla, elle est. Alors même d'après Rabbi Yuda, quand est-ce qu'il devient pigoul? À la fin! C'est-à-dire que finalement, quand est-ce qu'il est pigoul? Sur lequel je serais Khayab Karet, quand j'aurais fait Akhtara, quand je fais Zrikat Adam. Alors, si c'est à la fin qu'il devient Pigoul, comment tu peux aller d'après la première Marshava? Imagine le gars, il a fait Kmitsa avec Khout Lizmano. Il y a un potentiel ici de Pigoul chez Hezbo Karet. Mais il n'est pas fini. Il est fini. Est-ce que s'il s'arrête là et il mange la Mincha, il s'arrête là, il ne fait plus rien. Il mange la Mincha et Khayab Karet, pas d'Achilo. Parce qu'il n'y a pas le Karev qui est Mitzvato. Qu'est-ce qu'il faut pour que ça soit Khayab Karet? Il faut finir ta mincha, bekashruta, entre guillemets. Maintenant, Rabbi Yuda te dit, je vais d'après la première marchava. La première marchava, c'était le Zman. Et la deuxième, c'était quoi? Makom. Ok, mais Takhles, le Zman, il ne veut rien dire parce que je n'ai pas encore fini la mincha. Tu vas la finir avec des marchavas de Makom. Oui, mais donc, comment tu peux me dire que le Zman l'emporte sur le Makom, parce qu'il était avant, mais au final, ça sera fini qu'avec la Akhtara et la Zrikat Adam dans un Korban. Mais c'est d'air. Mais c'est d'air. Il te parle, il dit, si tu finis tout. Exactement. C'est comme ça qu'il répond le Kerian Ora. Beshat azrika mitbarer le mafria chez marchava tazman kadma. Beshat aktara akmitza mitbarer le mafria que ta première marchava c'était marchava tazman, donc c'est pigoul viejo. Voilà, c'est que lui, Rabbi Yuda, il dit, le zman c'est trop chazak. Ouais, ouais, pas, que c'était, si jamais il pensait dans la première marchava, que s'il prenait qu'un chéti chour qui est. Non, c'est autre chose ça. Chéti l'aktara, mais chéti l'aïla, 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 l'a